Nous allons aborder maintenant cette personnalité gigantesque de Ludwig van Beethoven, qui est né en 1770 et qui est mort en 1827. La première chose à dire, que peu de gens savent, c'est que il est né donc le 16 décembre, 1770, exactement une année avant. Sa mère a mis au monde, le 16 décembre 1769, un garçon qu'elle a appelé, mais qui n'a pas vécu, qui était un enfant mort-né, qu'elle a appelé Ludwig van Beethoven. Et notre grand Beethoven, celui que nous admirons tant, est né exactement une année après, 16 décembre 1770. Il est la résurrection de son frère qui était mort. Voilà, on peut voir ça comme ça. Il a bien commencé pour sa maman. Ouais. Il lui a fait un beau cadeau. Alors, la vie de Beethoven, en fait, à quelques exceptions près, c'est une souffrance quotidienne. Pourquoi ? Parce que ses parents, sa mère est une femme certainement dévouée, mais complètement dépressive. Et Beethoven doit... tout jeune garçon, au fond, s'occuper de cette mère. Parce qu'à côté de ça, Beethoven a un frère et une sœur. Et l'enfance de son père est un personnage tout à fait inintéressant. C'est un noceur qui court les cabarets, qui a des aventures les unes et qui ne s'occupe pas, qui ne fonctionne pas comme devrait le faire un père de famille qui comprend les tâches qu'il attend. Donc il a une enfance où il doit essentiellement s'occuper de sa mère, s'occuper de son frère et de sa sœur, et puis son père est très brutal avec lui, parce que son père a quand même décelé chez ce garçon des dons musicaux exceptionnels. Alors il se dit, je vais en faire un nouveau Mozart. Comment il a su que Beethoven... Parce que Beethoven a joué comme enfant. Le père de Beethoven était un pianiste amateur, on ne sait pas comment il joue, mais enfin... Et c'est lui qui lui a montré quelques exemples. Et surtout, mais alors lui, c'était un but très intéressé, je veux en faire un nouveau Mozart. Et il a exhibé ce jeune garçon qui avait à l'époque 6-7 ans, qui s'occupait de sa mère, de sa frère, sa sœur, il l'exhibait dans des cafés bruyants, un peu comme le pauvre Schubert dont on parlait tout à l'heure. Et le jeune Schubert a eu une enfant, et il était martyrisé. Si le père de Beethoven n'avait pas les résultats escomptés, c'était les coups, c'était vraiment... on peut dire que le jeune Beethoven a eu... Le jeune Beethoven a eu une enfance très très difficile. Maltraitance. On peut vraiment parler de maltraitance. Mais enfin, il avait déjà... sans l'avoir vraiment exprimé à un âge aussi jeune, il avait quand même cette résilience en lui qu'il va démontrer tout au long de sa vie longue pour l'époque. Mozart meurt tôt, à 36 ans. Schubert à 32 ans, Beethoven, il aura passé, il meurt en 57 ans. Il a une enfance très difficile. Il a des dons tout à fait particuliers. Et qui le remarque le premier? Parce qu'il naît à Bonn, il naît au bord du Rhin, presque à la frontière française, disons. Et puis, en parenthèse, disons tout de suite que son nom, Ludwig van Beethoven, c'est pas von Beethoven, c'est pas du tout une particule nobiliaire, parce que les origines de Beethoven sont hollandaises, sont du Nord, pas de la France, pas du tout de la France. Alors, pourquoi tu dis pas de la France, pas de l'Allemagne? Non, mais pas de l'Allemagne, je veux dire. Oui. Mais Bonn, c'est une ville qui est au bord du Rhin, c'est à la frontière. Donc on est près de la France, je veux dire. Et Beethoven n'a jamais... Bon, il était un humaniste, il aimait tous les hommes. Donc il aimait aussi les Français, mais on va voir tout à l'heure qu'avec Napoléon, ça n'a pas donné le résultat escompté. Mais qu'est-ce qui va mettre... Le pied à l'étrier définitivement dans la musique, nous allons retrouver un musicien dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est Joseph Haydn. Joseph Haydn, lors d'un passage à Bonn, entend ce jeune garçon qui avait alors 16 ans, il l'entend jouer du piano, et à ce moment-là,
Beethoven avait une ouïe exceptionnelle, il entendait parfaitement, et il a ébloui tout à fait Joseph Haydn, qui a dit, qui a demandé à ses parents, à sa mère en particulier, écoutez, j'aimerais beaucoup le prendre avec moi à Vienne pour parfaire ses études musicales. Là, il a eu de la chance. Le père s'est opposé. Père s'est opposé, mais la mère a finalement eu gain de cause. Et c'est ainsi que le jeune Beethoven part à Vienne, où il connaît, c'est peut-être un des seuls moments de sa lourde existence terrestre où le ciel s'entrouvre un peu, il commence à jouer ses toutes premières compositions, il commence à jouer des œuvres de Mozart, il joue des œuvres de Haydn, il est en admiration devant ce maître qui lui apporte tant, et il y a quand même une seule rencontre entre Beethoven et Mozart. Une seule rencontre. Haydn dit à Mozart, écoutez, j'ai là un jeune disciple que je trouve exceptionnellement doué, auriez-vous l'amabilité de l'écouter et de me dire ce que vous en pensez? Alors, Mozart reçoit Beethoven, le jeune Beethoven. Et Mozart a 31 ans. Oui, exactement, 32 je crois. 32. Oui. Et Beethoven... On imagine le vieux Mozart qui écoute le jeune Beethoven. Alors, Mozart lui a vraiment tendu un piège. Il lui a donné un thème sur lequel il a demandé à Beethoven d'agrémenter des variations. Beethoven a été éblouissant, un thème très compliqué. Beethoven s'est sorti de ce piège de manière magnifique. Et Mozart a eu cette phrase prémonitoire. Retenez bien son nom, car ce nom fera le tour du monde. Signé Wolfgang Amadeus Mozart. On peut difficilement faire mieux. Et alors, il a quelque temps de je dirais, j'emploierais pas le mot de bonheur, mais je dirais de tranquillité. Mais les années passent, il est surtout connu comme compositeur et comme pianiste. Et où, comme Chopin, il se fait surtout remarquer non seulement par ses pièces écrites de lui ou d'autres compositeurs, mais par des improvisations qui ont absolument ébloui tout le monde. Mais malheureusement, le drame va survenir. Nous sommes en 1802. Il est toujours à Vienne. Alors, Beethoven a très peu voyagé. Bonn, Vienne. Baden. Baden, oui. Mm. Beethoven n'a jamais vu la mer. Jamais. Il n'a jamais vu la mer, c'est quand même assez saisissant de prendre. Et il est resté à Vienne parce que, qu'est-ce qui se passe? La tragédie absolue pour un musicien. Il s'aperçoit... En se promenant dans le parc où Schubert le suivait en cachette. Et ce qu'il a vu, c'est qu'il a vu des oiseaux chanter et il n'entendait plus. Il n'entendait pas. Alors ça l'a alerté et c'est le début de cette infirmité tragique. Pour un compositeur, il sait qu'il va devenir sourd. Alors d'abord, il a essayé de cacher tout ça. Il est allé voir des médecins, il est allé voir des charlatans. Ça n'a rien donné. Au contraire, son infirmité gagne du terrain chaque jour un peu plus. Et il doit bien finir par avouer au monde. Parce qu'à l'époque, on commençait quand même, on savait que c'était, on le connaissait quand même, au contraire d'un Schubert. Comme excellent pianiste, excellent improvisateur, des compositions. Il a publié ses premières sonates grâce à Haydn, qui les fait publier. C'est Haydn qui lance littéralement Beethoven. Et tout à coup, cette tragédie. Alors c'est là qu'à Heiligenstadt, qui est un petit village en bordure de Vienne, c'est là qu'il écrit ce fameux testament d'Heiligenstadt, « Ô vous, frères humains », etc., où il dit, voilà, voilà. Il faut lire en entier ce testament qu'il écrit. Il a quoi, 27 ans, voilà. Et d'ailleurs, à un moment donné, il dit, parce qu'on a tellement dit que Beethoven était un homme revêche, coléreux, il y a des images de lui. Et en fait, il était tellement bon. Et d'ailleurs, il a dit, je mets au-dessus de toutes les qualités la bonté. Ouais. Et c'est tellement important de se souvenir de ça, parce que dans son testament, il dit, peut-être quelquefois vous allez trouver que je suis dur, ou que je suis injuste, ou que je suis... Mais c'est simplement que je suis sourd. Et il essaye de décrire
C'est poignant d'entendre ce jeune homme. D'ailleurs, c'est là qu'il écrit La Tempête. Cette compassion et en même temps tout cet allaitement de quelqu'un qui comprend que voilà, il est son destin va être. Et alors qu'il aurait pu décider, parce qu'il dit à un moment donné qu'il a pensé à se suicider, ouais. Il dit j'ai senti que j'étais appelé. Hein, comment est sa phrase exactement? J'étais appelé à une mission qui me dépasse. Voilà. Et qu'il devait répondre à cette mission qui le dépasse, et que donc il allait devoir subir tous les tourments de la condition humaine, parce que qu'est-ce qu'il a souffert physiquement, pas seulement qu'il était sourd, mais voilà, et il a dit oui, le Fiat de Beethoven, ouais, qui a donné des œuvres extraordinaires, vraiment. Mais, ce qu'on disait tout à l'heure, il a été, alors on savait, les gens ont été quand même, ils savaient que c'était un génie, ils l'ont pris comme tel. Ils l'ont, parce qu'il n'avait plus de contact avec les gens, ne pouvant plus entendre. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il a ces fameux cahiers de conversation, c'est-à-dire qu'il écrit. Alors, c'est pathétique, parce qu'on les a, ces cahiers de conversation. Alors, évidemment, il y a des choses qu'il faut laisser de côté, parce qu'il parle de banalité, de la vie quotidienne. Mais, par moments, il parle de son art, il parle de sa vie quotidienne, des souffrances qu'il endure, et puis des espoirs qu'il met dans l'humanité. Oui. Parce que, là, il y a un petit entracte politique. Il a pensé... Il s'est malheureusement lourdement trompé, comme nous nous trompons tous en politique d'ailleurs. Il a pensé que Napoléon Ier, hein, pas Napoléon III, Napoléon Ier allait devenir, il l'a appelé le grand homme, parce qu'il pensait que Napoléon allait d'abord enlever les soubresauts de la Révolution française, qui a quand même eu des Robespierre, la Terreur et des choses comme ça. Il fallait changer tout ça, et il pensait que Napoléon allait être l'homme nouveau, qui allait calmer les choses et qui allait construire une nouvelle société. Où l'homme pourrait être libre. Absolument. Parce que c'était sa grande chose pour Beethoven. Il fallait que l'homme soit libre et qu'il ne soit plus assujetti à sa naissance ou à quoi que ce soit, mais à ses mérites. Tout à fait. Il est le premier qui, au fond, a fait de la méritocratie, oui, et qui l'a dit dans sa musique. Et ça a été quelque chose d'absolument terrible, parce que un beau matin, il apprend que Napoléon se couronne lui-même empereur. Mmh. La désillusion est totale. Et c'est là qu'il dit, finalement, ça n'est qu'un homme ordinaire. Je pensais qu'il allait modifier le monde, changer le monde. Je me suis lourdement trompé. Et alors qu'il lui avait dédié sa troisième symphonie, la symphonie héroïque, il a déchiré la... Il y a encore, quand on voit... On voit encore, oui. Et il met symphonie à la mémoire d'un héros. Il supprime évidemment le mot de Napoléon. Ça a été... Mais alors, à partir de là, sa vie, elle est au fond très casanière. Et il a heureusement quelques amis, parce qu'il faut dire, ça n'est, on ne va surtout pas lui imputer ça, mais les contacts avec lui devenaient difficiles de par son infirmité, de par son état de santé des plus précaires. Il souffrait, en dehors de sa surdité, il souffrait d'hydropysie, qui est un mal qu'on ne soignait pas du tout à l'époque, extrêmement douloureux, qui rendait sa vie quotidienne absolument terrible. Non, mais il a eu tellement mal au ventre toute sa vie, c'est terrible vraiment, de penser qu'il a écrit les choses les plus sublimes, quand on pense, non, dans la 106. Non, moi je le fais de mémoire comme oui, ça. Non, mais ça nous met voilà. Des larmes aux yeux. Et lui ne l'a jamais entendu. Et il ne l'a jamais entendu. Physiquement, pardon. Je sais. C'est quand même inouï. Et qu'il mettait ce bâton dans la bouche sur le couvercle du piano pour juste sentir les vibrations. Hein, c'est vrai. On il a essayé. Une baguette de chef d'orchestre, je crois. Il y a une fabrique de piano qui s'appelait Graf.
qui a essayé de lui fabriquer des pianos beaucoup plus, qui avaient une amplitude sonore plus grande que l'amplitude naturelle, oui. Mais malgré tout, c'était pas possible. Et d'ailleurs, il y a un incident absolument pathétique, touchant sa surdité, c'est que vers la fin de sa vie, il écrit les 9 symphonies. Il écrit la 9e symphonie qui a un message humain exceptionnel. « Oh, vous, frères humains, embrassez-vous, enfin, etc. » Au contraire de Schubert qui dit « Oh, toi, frère humain. » Alors, il veut diriger. Cet hymne qui est devenu l'hymne européen. Oh, absolument, absolument. Hein, que les gens sachent que c'est Beethoven qui est derrière cet hymne. Qui est l'européen idéal. Idéal de ce point de vue-là. Alors, il veut quand même diriger cette symphonie. C'est son œuvre et je dois la diriger. Alors, il y a la répétition et on se rend compte. On se rend compte, c'est pas possible. Il n'entend pas. Alors, on décide que pour l'exécution publique, on le laissera diriger, mais on va mettre derrière lui, on va mettre un vrai chef d'orchestre, un orchestre qui entend, un chef d'orchestre qui entend et qui pourra quand même conduire cette œuvre magique, cette œuvre magnifique. Le concert a lieu, Beethoven dirige, et puis il se rend compte tout à coup, il se retourne et il voit que c'est quelqu'un d'autre. Alors il a quitté la scène, ça a été, paraît-il, un moment terrible pour lui, mais la salle l'a fait revenir. La salle savait qu'il était sourd, l'a fait revenir, ça a été une ovation. Il a quand même été, ce jour-là, je pense que c'est une grande page de la musique et c'est une grande page de l'histoire qui s'est tournée en même temps. Ça a été quelque chose d'absolument phénoménal. Mais sans ça, sa vie est très casanière. Il arrivait quand même à jouer, malgré qu'il était sourd, ses propres concertos, quand tu penses que... Qui était son ami qui lui tournait les pages? Il y avait Schindler. Voilà, et qui disait que c'était impossible de lui tourner les pages parce qu'il ne jouait pas ce qu'il avait écrit sur la partition. Et quand on pense qu'il a écrit ses concertos, notamment l'Empereur, qui est bon... Je ne sais pas d'ailleurs si c'est lui qui l'a appelé l'Empereur, concerto. Tu vois? Non, c'est pas lui. Mais ça, c'est le coup des éditeurs. Sonate au clair de lune. Il y a deux sonates où il a mis lui-même. C'est Pathétique et Appassionata. Voilà. Mais clair de lune, c'est pas lui. Empereur, c'est pas lui. Non. Mais L'Empereur, quand même, il faut qu'on raconte, je veux dire, il a ouvert tout le spectre du piano. D'ailleurs, l'Empereur commence avec le piano, non ? Tout le poids du monde sur ses épaules. Et jusqu'où il va aller ? Il tombe dans la solitude de la note. Et là, il écrit « Espressivo ». Sur ces quelques notes. Oh, ça, c'était tout à fait nouveau d'utiliser le clavier comme ça et de montrer combien il portait sur ses épaules le poids du monde, la responsabilité aussi, non, de ce que l'homme peut apporter au monde, ou devrait apporter au monde, je ne sais pas comment le dire. Et si on pense que tu parlais de Napoléon, mais... Il est dans une cave quand il compose ça, raconte. Mais c'est Napoléon qui envahit Vienne et qui fait bombarder Vienne par l'artillerie française. Et la population devait se terrer dans des caves. Et Beethoven, avec des centaines de gens, est entré dans une cave avec son papier à musique. Et il a composé ce chef-d'œuvre. Aujourd'hui, le monde entier est tellement admiratif de cette page sublime, et bien Beethoven l'a composée sourd, dans des conditions invraisemblables. T'imagines les odeurs, la promiscuité, rien à manger, le bruit des bombes qu'il devait sentir comme ça. Et il sort avec cette œuvre, le mouvement lent de ce concerto, mais si vous ne le connaissez pas, mais je me réjouis que vous allez l'écouter, le découvrir, parce que c'est des gouttes de larmes du ciel, de lumière qui tombent sur nous. C'est tellement, tellement incroyable. Et d'ailleurs, c'était qui est-ce qui était allé le chercher pour l'amener dans cette cave en lui disant, je crois que c'est le prince qui est venu le voir en lui disant, allez dire à Beethoven que les... C'est le prince Nikolsky. Voilà. Parce qu'il a eu, un grand protecteur alors qu'il le soutenait financièrement, matériellement. C'est le prince Moritz Lichnowsky,
qui comprenait la musique et qui a compris que Beethoven était un génie, même avec sa surdité et son caractère difficile, il l'a toujours. Alors lui, ça a été un des grands protecteurs de Beethoven, qui d'ailleurs sera par la suite un grand admirateur de Chopin. Ça, c'est vrai. Ouais. Mais qui est cette... Qui est-elle? Mystère. Mystère. Non, on pense. Non, on pense. On aimerait tellement qu'il ait été amoureux d'une femme, qu'il ait eu un peu. Ah, il a été. Non, mais qu'il ait eu quelque chose. Est-ce que c'est cette Furélise? Oui, qui est peut-être, probablement Thérèse de Brunswick. On n'est pas sûr. Hein? On n'est pas sûr. On n'est pas. Parce qu'il est resté alors extrêmement. Il a eu de grands amours, mais il semblerait que cette Thérèse de Brunswick ait été celle à laquelle il était le plus attaché. Et on dit. Nous n'avons pas de preuve que des projets de mariage avaient été avancés, mais finalement, ça s'est pas du tout concrétisé. Mais les recherches, vous savez, il a beaucoup fait pour que, de ce point de vue-là, on ne sache pas grand-chose, et on ne peut avancer que des hypothèses. C'est probablement Thérèse de Brunswick, mais on n'en a pas une preuve. Une preuve absolue. Non, il faut quand même qu'on réhabilite une autre rumeur qu'il y a eu avec son neveu, alors, Karl, parce que ça, c'est tellement moche. C'est épouvantable, parce qu'effectivement, il avait comme belle-sœur une femme, on va dire, un peu indigne quand même, un peu indigne, qui avait un fils qui s'appelait Karl von Beethoven, et dont elle ne s'est absolument pas occupée. Et Beethoven a dit c'est mon neveu. Il a fait beaucoup pour lui. Il a fait un procès. Oui. Il y a eu 4 ans de procès qu'il a finalement gagné et on lui a confié l'éducation de cet enfant qui malheureusement lui a donné énormément de soucis, tentatives de suicide et tout. Ça a été, mais il a assumé son rôle de deuxième père. Mais évidemment que les gens qui ont couru par la suite... Il y a une autre légende. Il y aurait eu une relation entre Beethoven et son neveu, enfin des choses abominables. Oui, avec sa belle-sœur. Ouais. C'est ça. Et puis alors, il y a une autre légende, mais on en parle beaucoup moins maintenant, mais qui a eu la vie longue. On a dit le pianiste Antoine Rubinstein est le fils naturel de Beethoven. Et alors, ce qui a fait ça, c'est qu'il est vrai. Il est vrai que quand on regarde, on a des photographies, des peintures de Antoine, rien à voir avec Arthur Rubinstein. Hein. On a des photographies de Antoine Rubinstein. Il est vrai qu'il a un masque beethovenien. Ça c'est vrai. Voilà. Alors on a dit voilà, et c'est le fils naturel. C'est absolument impossible parce que Antoine Rubinstein est né en 1829 et Beethoven est mort en 1827. Donc le problème est clos. Mais longtemps cette légende a couru que Antoine Rubinstein était le fils naturel de Beethoven. Complètement illusoire. Et qu'est-ce qui s'était passé à Baden quand Beethoven s'est perdu? Alors là, il y a une chose terrible. Ah, mon Dieu. Parce que, vous savez, Beethoven n'était pas très soigné, il se promenait un peu. Et hiver comme été, il se promenait non seulement au Prater, mais dans les forêts qui entouraient Vienne. Et en plein hiver, un jour, des douaniers, des policiers voient un vagabond se promener là. On l'arrête, on l'amène au poste de police. Comment vous appelez-vous? Beethoven, grand rire, Beethoven, etc. Ils ne l'ont pas reconnu. Et ils l'ont pas cru. Ils l'ont pas reconnu. On a dû attendre le lendemain pour faire ses excuses. Le grand Beethoven. Ça a été. Et puis, vous savez, il était. Mais par contre, il avait quand même conscience de qui il était. Parce qu'il y a deux anecdotes plus ou moins amusantes, je veux dire. Quand il se promène au Prater. Un beau jour, il était avec son ami Schindler, il croise la famille impériale. Alors, Schindler salue, etc. Beethoven garde son gibus vissé sur la tête, bouge pas. Schindler lui dit, mais enfin, écoutez, c'est la famille impériale. Écoutez, mon cher, des rois, des princes, des ducs, il y en a, il y en a eu, il y en aura. Des Beethoven, il y en aura un. Bon. Voilà.
Et puis une autre fois, quand son frère Nicolas, qui était un propriétaire foncier, qui menait les affaires, etc., lui envoie une carte de visite, Nicolas van Beethoven, propriétaire foncier. Beethoven reprend une carte et dit « Ludwig van Beethoven, propriétaire d'un cerveau. » Propriétaire de l'intelligence. L'intelligence. Ouais. Non, mais c'est un être extrêmement attachant, et je dois dire qu'il y a heureusement beaucoup de livres qui ont été écrits. Et le premier, c'est justement son ami Schindler, dont on a parlé pour Schubert, et qui a écrit une première monographie. Par la suite, beaucoup de gens ont écrit sur Beethoven. Et alors, pour ne pas faire trop long, il faut dire que Beethoven, alors on revient vraiment à la musique, il est quand même le seul compositeur qui fait passer la musique par trois paliers successifs. Il est incontestablement sous influence classique quand il est l'élève de Haydn, Mozart, okay, qui le prend comme ça, il subit tout ce monde classique, il admire d'ailleurs les toutes premières sonates de Beethoven, le premier opus de numéro 1 Fa mineur, c'est un peu du Haydn, c'est l'esprit classique. Ensuite, il crée le mouvement romantique. Comment romantique ? Vous prenez le premier mouvement, ce mouvement célèbre, le clair de lune, jamais une atmosphère musicale avant lui n'avait existé avant Absolument. Ça. C'est la création d'un nouveau monde. Et puis, à la fin de sa vie, il dépasse encore tout ça, il va encore plus loin. Il entre dans le cosmos, dans une réalité métaphysique qui je ne dis pas qui enlève ce qu'il a fait précédemment, mais qui nous ouvre des perspectives dont on a peine encore aujourd'hui. Les dernières sonates. Les dernières sonates, les derniers 110, quatuors. 111 et les derniers quatuors. C'est mystique. C'est mystique. Totalement. Et là, de ce point de vue-là, ces trois paliers successifs, c'est unique dans la musique. C'est unique dans la musique. Alors, moi, personnellement, alors non seulement je l'admire, je le vénère comme un maître extraordinaire, mais comme un homme. Comme un homme, parce que ce que tu disais, je ne mets rien au-dessus de la bonté et des choses comme ça. C'est un être... Un génie, un titan de la musique, mais un être qui est, malgré ça, resté un homme, et je crois que de ce point de vue-là... Il meurt comment, en fait, et où ? Il meurt chez lui. Mais il meurt d'hydropisie. Voilà, c'est l'hydropisie qui finit par le terrasser. Mais attention, 10 000 personnes suivent son enterrement. C'est ça. Il a quand même été... 10 000 personnes. Mmh. Et alors, il est enterré à... Il a été reconnu quand même... Même si si les autorités n'ont pas toujours été ce qu'elles auraient dû être pour un génie pareil.